Et finalement, nous arrivons à la fin du programme. So now I'll be calling on Pastor Joseph for the closing prayers. Maintenant, nous allons faire appel au Pasteur Joseph pour la prière de fin. Amen. Ah, votre amen est paralysé là. Oh, amen est paralysé. It's good for. Si vous êtes content de ce qui s'est passé véritablement, je veux vous acclamer Jésus. Il va acclamer. Amen. Amen. Parti, vous êtes déjà levé. I know that you are in a hurry to go because you are already upstanding. Mais on vous aime beaucoup. We love you so much. Et c'est difficile de vous avoir. It's very difficult to get you. Aujourd'hui, vous avez eu. Today we have you here. On va profiter un peu. And we'll take advantage of it. Quand je suis rentré, mon cœur s'est coupé. And when I came inside, my heart beat. Yes. No, mon cœur s'est coupé. Okay. My heart cut. Okay. My heart cut. Oui, my heart cut. Alléluia. S'il vous plaît, parce que je dois donner l'annonce dans le lieu. Ok, so please, I'll s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît. Be seated. I'll give an announcement. Mon cœur s'est coupé, pourquoi? Parce que, regardez, aux alentours de vous, ce sont des recherches approfondies. You know, my heart caught on my heart because you see around you what you see on the wall, these are the fruit of research. Ce sont des recherches approfondies. You see, insight or depth research. Une seule personne peut prendre des mois et des années. Insights, this is one person can take years upon years. Donc on va clapper pour notre place. So we must clap for our country. Vous savez, à beaucoup de nous ici, on voit des photos seulement des écritures. You see, many of us, we see photos, we see pictures, we see some messages just again beside them. Mais c'est du début à la fin résumé, la vie de des personnes qui ont vécu avant nous pour l'évangile. You know, it's like a kind of summary of the life of those people. Donc je crois qu'on doit véritablement, si la fondation est détruite, si la fondation n'est pas là, if the foundation is not there, quelque chose va nous résoudre. Nothing will succeed. Donc s'il vous plaît, ayez le cœur vraiment de soutenir. Amen. So please have this heart to support. Avant que je donne les annonces, before I give the announcement, j'aimerais d'abord demander est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent vraiment être partenaires, qui veulent vraiment aider? Do we have people here who want to partner, who want to help? Et je tiens à informer que même si tu ne veux pas aider, I just like to say this, if God wants you to not support, Dieu va susciter d'autres personnes. God will raise other people. Parce que cette vision que vous voyez là a été donnée par Dieu au serviteur de Dieu. Because this vision you see that has been given to the man of God. Quand quelque chose est donné par Dieu, aucune personne ne peut aider. When something is given by God, nobody can quench it. On n'est pas effrayé de combien de personnes aujourd'hui. We are not afraid of the number of people. Moi personnellement, je ne suis pas découragé. Me personally, I'm not discouraged. Parce que dans les années qui suivent. Because in the next year, the years to come. Je suis parti une fois. And then you screamed, yeah, I was there before at this program. I've heard about this. Ce que tu vois aujourd'hui là. What you see today. Ça va t'étonner. You will be amazed in the future. Tu es d'accord avec moi? And then we must harvest one thing in foundation d'un enfant de Dieu. A foundation of a man of the son of God. C'est parce que tu as aimé Jésus, tu sacrifies. It's because you love Jesus Christ, you sacrifice. La Bible déclare dans le livre de Matthieu. The Bible says in the book. Donc, rapidement, j'essaie de voir le verset rapidement. S'il vous plaît, permettez-moi, c'est très important. And please allow me. Matthieu chapitre 6, verset 21. Matthieu chapitre 6, verset 1. Que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. He said, where is your heart is, that's where is your. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Where is your treasure, that is where your heart is. On va regarder pour le traducteur qui est venu. Ce n'est pas vraiment facile. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. And then one
the most important thing is where your heart is, that's where your treasure is. Est-ce qu'il y a des gens? Yes. Ok, est-ce qu'il y a des personnes ici qui aimeraient vraiment soutenir cette œuvre qui est faite? Are there people here or volunteers here who want to support this? Peut-être que tu n'es pas venu avec l'argent aujourd'hui, alléluia. Maybe you need to prendre des engagements. Alléluia. You can pledge. Et je te dis, écoute-moi très bien, quand l'argent devient ton esclave, listen to me, when money becomes your slave, il va vraiment travailler. Il va vraiment travailler pour toi. And the money, that money was going to work for you. Mais si l'argent est ton maître, but if money is your master, toi tu vas être son esclave. But you would rather be a slave. Donc s'il te plaît, s'il te plaît. So please, please. On doit arriver à un niveau où on ne pousse plus un chrétien de venir servir. We must get to that level where we not push or encourage, exhort a Christian to come and sue. Tu dois comprendre que c'est ta responsabilité. You must understand that this is your responsibility. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent vraiment être partenaire, qui veulent vraiment aider? Do we have people here who want to partner or to be partners of this event? Oui. This organization. Est-ce qu'il y a des personnes volontiers qui puissent soutenir, apporter cet évangile à l'homme? Oui, est-ce qu'il y a des personnes ici? So you want to support this vision so that it will go far. S'il vous plaît. Là, ils vont faire ça dans le secret. Dans le secret? Dans la partie. Ok, d'accord. Écoutez-moi très bien. Okay, listen to me. C'est pourquoi Dieu vraiment encourager. Moi, je crois que ce n'est pas pour embarrasser quelqu'un, mais no, it's not to embarrass. C'est pour te dire que c'est important. It's just to tell you that it is si on finit, tu pourras approcher, que tu apprécies. When we are done, you can come to me. D'accord. Donc, je pense que c'était ça même plus, parce qu'on veut, faire la prochaine édition, mais je dirais que ça a défaut de moyens, parce que s'il y avait des moyens, on aurait de continuer à faire cette année. You see, it's because of money, we are limited in terms of resources, that's why we have this together. We plan to have other events of such. Donc, par la grâce de Dieu, on va communiquer la date prochaine. So, by God's grace, we'll give you the date of the next meeting. Nous avons vos contacts, on a vos emails, on va vous envoyer ça par message, on va vous appeler, vous donner la date prochaine. We have your contacts, your telephone numbers, your email address, and then we'll send you messages. Et je voudrais que vous sachiez qu'on vous aime de tous nos cœurs. And I want you to know that we love you from the depth of our hearts. Pour le temps et l'énergie, les finances que vous avez dépensées. For the time, the energy, the financial resources you put in. Quand vous allez aller à la maison, priez pour Kahak. When you go home, pray for Kahak. Priez aussi pour le visionnaire. Et prier pour toutes les personnes qui travaillent autour de lui. And I pray for all the people working around him. Deux journalistes qui sont là dans le futur. We have two journalists who are here. Le repère, désolé, il y avait tellement. And this newspaper is a repère. On acclame Dieu pour eux. Le repère. Ce chemin avec nous, puis il y a notre papa, le journaliste de Fréquence Vie, qui est là aussi. We have Fréquence Vie. Voilà, que Dieu bénisse infiniment, nous sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes God bless you, we really appreciate. Maintenant, on va se tenir debout pour la prière. Let us all in upstanding for the prayer. Ce que nous tenons des amis faire est bon. What on Almighty God? God is good. On va dire à Dieu de nous faire la grâce afin que la prochaine édition soit plus meilleure que celle-ci. We are going to pray to God that so that the next edition, the next meeting, will be better than this one. Amen. Amen. Prions ensemble. Let us pray together. Dieu de gloire, nous allons te dire merci, nous glorifions ton nom pour la grande des grâces. Et nous confions, Seigneur, la prochaine édition. Fais-nous la grâce. Dans tous les domaines, dans le nom de Jésus-Christ, fais-nous la grâce, fais-nous la grâce, fais-nous la grâce, fais-nous la grâce, fais-nous la grâce. Seigneur, aide-nous. Dirige-nous. Dans ton nom précieux que nous avons prié ensemble. Amen. Amen. On va prier que le Seigneur établit toutes choses par sa volonté, alléluia. On peut être les bonnes personnes que nous devons rencontrer, les personnes qui doivent bénir. Dans cette organisation,
les personnes qui doivent venir pour aider, toutes ces personnes que Dieu dispose dans le nom de Jésus-Christ. Prions pour la prochaine édition. God himself bring people to support. Dieu de gloire, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que tu connaîtes. God is praying. Que tu connaîtes. We pray that God will connect dans le nom de Jésus-Christ. Là où ces personnes sont, everybody will play parts. Que nous soyons connectés avec le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous glorifions. Merci Jésus. Bénissons du Seigneur. Amen. On va prier bien avant de terminer, on va demander à l'Éternel des armées, celui qui nous a amené ici, saint et sauf. Before we wrap up, we are going to ask God. Que l'Éternel des armées soit avec nous encore dans notre retour. Tous les moyens de transport. Tous les moyens de transport, que Dieu soit avec nous. All the means of the transport. Père éternel, les amis, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Let us pray. Que tu veilles chez nous. The God of what you want. En allant à la maison, Seigneur, que tu nous diriges, que tu nous protèges. As we are going back home. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui est venue dans cette place, qui ira chez lui à la maison, veille sur cette personne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment magnifique. Nous sommes honorés par ta présence. Nous avons été impactés par ce que tu as fait dans le passé. Seigneur, je te confie chaque personne ici va entre tes mains. Et je prie que ta main de grâce et de protection et ton esprit de sagesse continue à le faire grandir au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toute personne ici qui a la volonté, ouvre encore son esprit, son intelligence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te confie chaque personne dans cette salle. Each and every one veille sur cette personne. Watch over this person. Et que la semence que la personne a reçue aujourd'hui, and this, par les informations, que cette personne puisse aller. Et partager ses semences afin que la récolte soit grande au nom de Jésus-Christ. So that the harvest will be blessed. C'est dans le nom de Jésus que nous avons pris ensemble. In the mighty name of Jesus, Lord, that we have et tu dis amen avec vie. All the saints say amen. Avec force. Voilà, Jésus, amen.